Il, après deux spaghettis, il a décidé de ne plus manger de pâtes pour la soirée. Il est parti jouer à Soul Calibur 2 en arrière. Je préférais aller au team. J'aime beaucoup plus le team que le McDo. Hein? Je pense qu'ils nous aiment pas, eux. Donc on jump dans la première game. C'est sur FD que ça se passe. On se lance des patins. Hop, on grab pas, non. On applaudit. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Tu veux se commenter avec moi? En casual French ou... Ah, le sel est tombé. Hein. Je sais quoi. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est-tu mieux d'être le moins bon des bons ou d'être le meilleur des pas bons? Ben, ça dépend. Ça dépend de quel point tu le vois. Si tu le vois de manière de en ensemble, en, où est-ce que je me situe parmi les joueurs, ce serait mieux être le moins bon des bons parce que t'es bon, mais t'es juste moins bon, t'sais. C'est comme le dessin. C'est un peu. Oh, le bon, le chien, c'est un peu. Mais c'est un peu comme dire, genre, être 10e sur le PR ou être le premier qui est pas sur le PR. Ben justement, à ce point-là, c'est mieux avec le 10e parce que tu sais, t'as de la visibilité, tu sais. Le monde s'en va sur Facebook pis voit que t'es 10e, c'est hot. C'est pas hot parce qu'on revient, mais c'est hot, c'était là. C'est cool, c'est très ben oui. Ou les hobby mix-up. Ils sont hot, les hobby mix-up, hein. Oh, vas-y, je te plaît. Ouais, mais vraiment hot play, Wisdom. À mon set, je peux rien dire contre ça, là. C'est dur, jouer contre des licornes, mais j'aimerais ça jouer plus, je pense, contre des licornes. Ah, c'est bon, ça, bonne patience. Oh. Hey, le happy barrel, là, c'est n'importe quoi. C'est tellement jank, le barrel, là. Quand même. Il s'en va. Une fois qu'il est. Il target quelque chose. Il target le joueur. Tu penses? Ouais, il target le joueur. T'es sûr que c'est pour RNG un peu ou ça? Non, parce que ça arrive trop souvent que ça va vers moi, que... Non, je pense qu'il y a un certain algorithme. Peut-être que c'est des probabilités, peut-être que genre, une chance sur deux qui va targeter l'autre, ou une chance sur deux qui va aller random, je sais pas. Oh, le whiff. Ok, le shield. C'est correct, je pense. De là, tu t'aurais peut-être pu tuer, ouais. Je me suis tellement fait poigner par des fers et des guns. J'ai plus l'impression qu'elle essaie de catcher à banane que de me frapper, là. Mais tu sais, Lily est tellement simple. Des fois, tu fais quelque chose, puis finalement, ça marche pas, mais ça marche quand même. Lily à Smash 4 me fait vraiment penser à quoi que ça m'a aidé. Le frame data, là, ça me fait vraiment penser à ça. Je suis pas le meilleur commentateur pour commenter cette set-là, to be honest. Celui-là en ce moment? Ouais. Oh. Je suis un gros hater de Diddy Kong. Le personnage est fort. Ça, je suis pas à dire. Est-ce qu'il est broken? Je pense pas. Mais il est très fort. Ben, broken, non. Ça brise pas le jeu. Non, je pense pas qu'il y ait de broken character à Smash 4. Non, il y en a pas en ce moment. J'ai pas vécu genre le Meta Knight broken, Meta Knight Brawl. Ouais, broken. Ouais, ça c'est quelque chose. Je comprends pas à quel point ça peut affecter le jeu, mais ça a l'air que c'est vraiment impressionnant. Ben, Meta Knight avait plusieurs layers de broken si on veut là. On a broken, tu le pick up et t'es bon. Ouais. Check là-bas. Personne. Ils sont tout à mêler. Tout à mêler. Le bracket est terminé, on s'en va sur un autre jeu. Moi, bon, avait l'air pour Soul Calibur, mais je comprends rien. Moi non plus, je regardais ça et je suis là, ouais, ok. Mais j'ai joué une game.
je voyais même pas comme la structure de ce jeu là. Je faisais. C'est juste taper sur. Je tapais sur des boutons, j'allais des coups de pied, des coups d'épée. Ouais, comme s'il n'y avait pas d'échange là, c'est juste. Ben... Je comprends pas s'il y a un neutral parce que des fois je bloquais des coups. Je me dis ouais, mais si je bloque des coups, je peux pas contre-attaquer en bloquant des coups. Fait que, à un moment donné, j'ai arrêté de bloquer puis j'attaquais, j'allais. Sauf que tu sais, c'était contre des bots là, mais. Whatever, c'était quand même très. Puis j'étais aussi très distrait par les tatas, là. Je m'attendais pas aux tatas. Les tatas. Je m'attendais pas à ça, là. J'étais distrait. Je m'attendais pas autant à Smash. Mais c'est surtout qu'ils sont animés, je sais pas si t'as remarqué. Ah oui, ils ont de la gravité. Ah puis, oui, exact. Mais ils ont leur propre centre de gravité. Oui, parce que si c'était pas ça, ça aurait été comme normal. Ouais. Mais tu sais, le personnage il rentre pis c'est dans son intro pose à saute genre. Là ça bondit. Nice. Pis à cause de ça c'est un best-seller. Ouais sûrement. Ça où tu mets Link ou Kratos dedans pis Yoda je pense qu'il est dans un Kratos c'est pas dans... Ah, il un peu dans lui. Non c'est pas dans ce jeu là, c'est dans... Marvel vs Capcom? Non? Non je pense que c'est dans... Mais Link, PlayStation All-Star c'est ça. Ouais PlayStation All-Star ouais. Mais c'est pas PlayStation hein Kratos? Ouais. C'est ça, mais c'est pas. Je pensais que tu parlais de ça comme si c'était un third party exclusive. Je sais pas. Oh well. Non, c'est que sur dépendamment de la console, t'as les third party exclusives. C'est sur la GameCube, t'as Link. Sur Calibur, tu penses? Ouais, okay, sinon, okay. Je pense que t'as Yoda pis un autre. Yoda? Ouais, Yoda, il est dans Star Wars. Je suis sûr qu'il est dans un des Soul Calibur. Il a un sang-blazer, il est tout petit, il est broken parce qu'il est petit. Comme Upjump dans GoldenEye. Je sais pas si t'as joué beaucoup à GoldenEye. Pas beaucoup. Oh boy, deux stacks de Wisdom. Mais... C'est ça qui a tué le jeu, là, le James Bond, ouais, sur les gars. Ouais, ça dégage. Il va en avoir, hein, dans, by the way, il est du game. Il est supposé avoir. Du James Bond? Un GoldenEye. Je sais pas s'il va avoir un tournoi. Un tournoi. Mais il va y avoir du GoldenEye. Les mods sont bizarres, c'est juste. Tu respawns, tu tues l'autre, pis c'est du 1v1. Je pense pas qu'il y a deux aussi. C'est tellement. Avec le sang qui coule. C'est bon ce jeu là, c'est tellement bon. Je me souviens de ça. Mais je savais pas, mais j'ai déjà joué. Ah, Jab était tout petit. Fait quand tu tirais au-dessus de sa tête. Ok, ouais. Puis dans Soul Calibur aussi, il me semble que Yoda il est tout petit. Puis. Il est excellent pour le Spawn, puis EHG. Spawn sur la Hitbox, puis EHG sur la PlayStation. Merci beaucoup, Jamon Kips. Hey, on va-tu juste ignorer le fait que Wisdom vient de tout stock et midi? Oh, ben, on est un petit peu drift away du stream, to be honest. Ça fait tellement Luigi qui glisse sur la banane. Quand même. Hey, j'ai découvert après-midi en faisant des pivot grabs, même si c'est vraiment à chier avec Ganon. Je me suis rendu compte que c'est pas un glitch, c'est vraiment voulu. Yeah. Le pivot grab. Ben oui, c'est pas un. Dans ma tête, c'était un exploit de la mécanique, dans le fond, que tu pouvais comme canceller. Oui, sa propre animation. C'est exact. C'est ça que j'ai remarqué, il y a son animation, le pivot grab. J'avais jamais remarqué avant. Ah ouais. Je pensais que c'était genre, oups, ton bonhomme est de l'autre bord, puis il fait un grab comme normal. Si ouais, de quoi de même, il fait un grab en glissant vers l'arrière, genre. Ouais, non, c'est ça la sort pas d'animation. Ouais, exactement. It's not a bug, it's a feature. Ah, il est rendu dans les élections. On va voir la table. Ça va mal, là. C'est triste, triste jour pour l'humanité. Ouais, triste jour pour le Mexique. Ah, l'humanité. Je pense que l'humanité est triste. Mais, hey, c'est fou, hein. Mais en même temps, je connais pas ça. Mais c'est deux tristesses là. Ouais, mais c'est probablement pas mieux. Il y a un qui pleure puis l'autre est content. Puis mais j'aimerais ça qu'on règle ça en Grand Final, genre. Puis que Emily représente Clinton, puis que Remix représente Trump, puis c'est là qu'on règle ça. Si Emily sera en Grand Final, mais c'est. Donald Saint-Onge. Donald Saint-Onge et Larry Payette. Les Barrels qui fight. Larry Saint-Pay! Il a recent. C'est sûr que je les appelle de même. 30 000 emails! Je les appelle de même. Il a recent pie pis. Avec ses 30 000 bananes leakées. Yeah. 30 000 bananes leakées. Donald Remix. Il va construire un mur sur. Je sais pas quel stage, dans une city. Aïe aïe. Damn elections. Y'a ça le centre des États-Unis, comment ils sont tous Trump? Arbre. Arbre. Parce qu'elle a dit voici l'arbre du tournoi. Ok. Donc là, tout le monde. Un tournoi en arbre, ouais, ouais. Tout le monde est parti sur les arbres. Ok, Québec a fait des mimes. Ouais, comme Québec le font si bien.
dépasser les bornes. Voilà, ça a été dit, dépasser les bornes. Quand même, hein? Hey, ça part, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté. Est-ce Dispag? Est-ce un Zero to Dead? Est-ce les deux? Oh, oh, c'est terminé! C'est la troisième fois que ça arrive. Oh oui, j'ai été un peu! Ça, on délock, on met ça en haut ici. Là, il a dit que c'est juste moi. Là. Il a dit que c'est juste moi qui fais ça. Ah non, pas ça! Il est où? Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Faut que tu tournes... C'est niaisage. Comme ça. Non, non, comme ça. Là, faut que je m'amène jusqu'à Wisdom. Wisdom, il est où? Ah, il est en arrière, là-bas. GG Wellplayed, baisse la tête juste un petit peu, s'il te plaît. Baisse la tête, baisse la tête. Il est là, là. Il sait, là. Le sel, là, jusqu'en avant, là. Il est juste ici. Là. C'est comme le sel sur les frites du McDo. Faut que tu les tapes après le contenant. Pour que le sel s'en aille. Ouais. Je fais tout le temps ça, moi. Ils sont trop salés, les frites du McDo. Trop salés, trop salés.